Sara Kaufman, votre livre m'a bouleversée. Il commence comme un récit sur la déportation et la disparition de votre père. Et pourtant, il me semble différent des récits analogues que j'ai pu lire. Je ne sais pas exactement quoi. Les événements sont plus ou moins identiques. Paris sous Vichy, l'étoile jaune, les rafles, le père déporté et une petite fille avec sa mère obligée de se cacher. J'aurais voulu vous rencontrer, vous parler de ma lecture et du film que j'aurais aimé faire sur le récit avec vous. Parler de votre enfance et de ces années à Paris, dans le 18e arrondissement. Mais le jour où j'ai eu enfin le courage de vous appeler, on m'a appris votre mort. J'ai découvert ensuite l'annonce dans le journal. Sara Kaufman, professeur de philosophie à la Sorbonne, écrivain, nous a quittés volontairement. Je n'ai eu que le temps d'assister à votre enterrement. De lui, il me reste seulement le stylo. De lui, il me reste seulement le stylo. Je l'ai pris un jour dans le sac. Je l'ai pris un jour dans le sac de ma mère, où elle le gardait avec d'autres souvenirs de mon père. Un stylo comme l'on n'en fait plus, et qu'il fallait remplir avec de l'encre. Je m'en suis servi pendant toute ma scolarité. Il m'a lâché avant que je puisse me décider à l'abandonner. Je le possède toujours, rafistolé avec du scotch. Il est devant mes yeux sur ma table de travail, et il me contraint à écrire. Écrire. Mes nombreux livres ont peut-être été des voies de traverse obligées pour parvenir à raconter ça. Mes nombreux livres ont été des voies de traverse obligées pour parvenir à raconter ça. Pour parvenir à raconter quoi? Qu'avez-vous gardé en vous pendant plus de 50 ans? La disparition de votre père de la rue Ordener? Sa déportation? Ou la découverte d'un nouveau monde, celui de la rue là-bas. J'ai perçu ça comme un déchirement. Le 16 juillet 1942, mon père savait qu'il allait être ramassé. Le bruit en avait couru, une grande rafle se préparait pour ce jour-là. Rabbin d'une petite synagogue de la rue Duc, dans le 18e arrondissement, il était parti très tôt de la maison à meuter le plus de juifs possible et les engager à se planquer au plus vite. Puis il était rentré et attendait. S'il s'était lui-même caché, il le redoutait. Sa femme et ses 6 enfants en bas âge auraient été pris à sa place. Il attendait et priait Dieu qu'on vienne le prendre pourvu que sa femme et ses enfants soient sauvés. 4 heures de l'après-midi. L'on frappe. Ma mère ouvre. Un flic, sourire gêné, interroge « Monsieur le rabbin Berek Kaufman ?»« Il n'est pas là, dit ma mère. Il est à la synagogue. » Le flic n'insiste pas, il s'apprête à repartir. Mon père sort alors d'une chambre où il s'était allongé et dit « Si, je suis là, prenez-moi. » Mon père aurait pu être sauvé. Ils partent. Quelques années plus tard, vous avez appris que votre père a tenu 1 an à Auschwitz. Puis il a été battu à coups de pioche et enterré vivant. Dans un de vos livres précédents, vous dites « Mon père est mort à Auschwitz. Comment ne pas le dire ? Et comment le dire ?
Avez-vous finalement trouvé le mot pour le dire? Nous nous retrouvons tous les six dans la rue, serrés les uns contre les autres, sanglotant très fort et hurlant. En lisant la première fois dans une tragédie grecque les lamentations bien connues « Oh, Popoï, Popoï, Popoï », je ne pus m'empêcher de penser à cette scène de mon enfance, où six enfants, abandonnés de leur père, purent seulement crier en suffoquant et avec la certitude qu'ils ne le reverraient jamais plus. « Oh, papa, papa, papa !» Nous ne revîmes en effet jamais mon père. Aucune nouvelle non plus, sauf une carte envoyée de Drancy, écrite à l'encre violette. Elle était écrite en français de la main d'un autre. À la mort de ma mère, il fut impossible de retrouver cette carte que j'avais relue si souvent et que j'aurais voulu conserver à mon tour. C'était comme si j'avais perdu mon père une seconde fois. Rien ne restait plus désormais, même plus cette seule carte qui n'avait pas été écrite de sa main. Après le 16 juillet 42, les rafles s'amplifièrent. Les femmes, les vieillards, les enfants, les juifs naturalisés français comme les autres, personne ne fut plus épargné. Plus possible d'aller dehors, de crainte d'être ramassé. Tous ceux qui depuis quelque temps portaient l'étoile risquaient d'être cueillis à la sortie. Nous, les Youpins, nous n'étions plus seulement reconnaissables à vue de nez ou de sexe circoncis, ainsi étoilés, parqués dans les derniers wagons des métros, en troisième classe, il devenait de plus en plus facile de nous rafler. À mon école de la rue Doudouville, j'étais pendant la récréation traité de salioupine. Un jour, j'ai la surprise de voir l'une de mes compagnes, Jeanne Le Sauveuil, qui avait alors comme moi 7 ans, réagir en donnant une paire de gifles à celle qui m'insultait dans la cour. Je suis à la recherche de la petite fille que vous étiez. Dans le bureau de la directrice de l'école de la rue de Deauville, dans un placard, rempli de reliques, je trouve un vieux registre. Il n'a sans doute pas été ouvert depuis la guerre. Kaufmann Sarah. Remarquablement intelligente, bûcheuse, ambitieuse, sèche. Rentrée en octobre 45 à la campagne. Il y a quelques années seulement, ayant rencontré de nouveau par hasard cette Jeanne de mon enfance, je pus reparler avec elle de cet épisode où elle s'était montrée si courageuse. Elle ne s'en souvenait pas. Le Sauveuil Jeanne, enfant intelligente, brillante, a déménagé. En revanche, elle se souvenait de notre désarroi lorsqu'à la rentrée d'octobre 1943, nous apprîmes qu'Hélène Goldenberg, la meilleure de la classe, avait été déportée. Juive d'origine roumaine, elle fut prise dans la grande rafle du Veldiv et ne revint jamais. Autre nouvelle sinistre, Mathilde Klapperman venait de mourir. Sa mère, désespérée, ne supportant pas la déportation de son mari, avait ouvert le gaz pendant la nuit.
Notre institutrice, celle du cours élémentaire deuxième année, Madame Fagnard, raconta en classe le drame et, malgré l'antisémitisme ambiant, eut le courage d'inciter ses élèves à se rendre à l'enterrement de la petite juive. J'ai adoré presque toutes les institutrices de cette école primaire de la rue Doudouville. Mais pour Madame Fagnard, j'éprouvais de la vénération. Elle n'était pas seulement une institutrice remarquable, mais une femme pleine de bonté, attentive à toutes les détresses. Lorsque les organisations communistes juives incitèrent ma mère à nous cacher à la campagne et nous fournir de fausses cartes d'alimentation, nous choisîmes comme faux nom celui de notre institutrice. J'ai rencontré Jeanne, la petite fille qui a donné la gifle. Elle est devenue médecin à la maternité de l'hôpital de la Pitié. Vous lui avez envoyé votre livre. Elle l'a lu et ne vous a pas répondu. Parce que, m'a-t-elle dit, c'est un livre de mort. Vous m'entendez? Un livre de mort. On ne peut pas arriver à l'âge de 60 ans avec toutes ces blessures encore ouvertes, non réglées. Entre juillet 42 et février 43, votre mère envoie ses 6 enfants se cacher à la campagne. Vous êtes la seule à ne pas le supporter. Vous persistez à vouloir manger cachère et donc mettez en péril vos frères et sœurs. Votre mère est obligée de vous reprendre avec elle, à Paris. Vous écrivez « Le vrai danger, être séparée de ma mère ». Les rafles s'amplifièrent et ma mère eut peur de me garder auprès d'elle. Elle fit de nouvelles tentatives pour me cacher. Restait la ressource de me cacher dans une maison d'enfants juifs où je pourrais continuer à manger cachère. Nous nous rendîmes rue Lamarque. J'avais le hoquet et je vomis à l'arrivée. Ma mère remplit les formalités administratives et partit. Dans l'escalier, elle m'entendit pleurer, crier, hurler. Elle revint sur ses pas et je repartis avec elle. Dans la nuit qui suivit, la Gestapo se rendit rue Lamarque et les enfants juifs furent tous déportés. Ma mère cria au miracle et décida de me garder désormais avec elle, quoi qu'il arrivât. Cela ne tarda pas à arriver. Février 9, 43, 8 heures du soir. Nous sommes dans la cuisine et mangeons du bouillon de légumes. On frappe. Un homme entre. Allez-vous planquer, vous et vos enfants? Vous êtes sur la liste pour ce soir. Et il file. Je ne l'ai jamais revu. Quand il y avait des bruits de rafles, nous allions dormir tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Mais notre recours le plus habituel était la dame de la rue là-bas. C'était une ancienne voisine de mes parents lorsqu'ils habitaient encore rue des Poissonniers. Elle avait remarqué ma mère dans la rue qui poussait un landau de 6 beaux enfants blonds et elle s'informait toujours de notre santé. « Voilà une femme qui aime les enfants », avait dit ma mère. « Elle ne peut pas nous laisser dehors. » Elle était là. Elle accepta de nous héberger pour une nuit et nous offrit des œufs à la neige. Elle était en peignoir. Je la trouvais très belle, douce et affectueuse. J'en oubliais presque ce qui nous avait conduits chez elle ce soir-là. Les scellés étaient sur la porte. Ils étaient bien passés.
à minuit. 6 de la Gestapo. 1 par enfant. Dans leur fureur d'être venus pour rien, ils avaient, nous dit la concierge, jeté les meubles par la fenêtre. Les fauteuils et le divan de la chambre de mon père, tout avait été cassé, brisé. Ils avaient fait le vide. Il fallait faire vite. Ma mère prit quelques photos, des couverts en argent, d'autres menus objets, et nous nous retrouvâmes, elle et moi, dans la rue, recherchés, ne pouvant plus afficher notre étoile jaune et sans savoir où aller. Plus jamais, sauf en rêve, je n'y suis retournée. Vous n'êtes jamais revenu ici. Vous seriez surprise d'apprendre que la fille de la concierge habite toujours l'immeuble. Elle se souvient de la famille Kaufmann, de tous les gosses. Elle se souvient surtout de votre père, qui partait à son travail, toujours habillé en noir, coiffé de son chapeau rond. Par contre, elle ne se souvient pas de la rafle, ni des meubles éparpillés dans la cour. Un jour, vous n'étiez plus là, c'est tout. Nous retournâmes rue là-bas. La dame accepta de nous garder. Jusqu'à ce que nous puissions trouver une solution. Qui nous cachait était menacé comme nous d'être déporté ou fusillé. Cet hébergement de la rue là-bas devait être provisoire. Il dura toute la guerre. L'appartement avait 3 pièces. Il fallut cohabiter là jusqu'à la fin de la guerre, dans la plus grande promiscuité. La dame venait de perdre sa sœur et portait le grand deuil. Elle était vêtue de noir et j'étais frappée par la blondeur de ses cheveux et la douceur mélancolique de ses yeux bleus. Aimée de tous les autres locataires, elle échappa, et nous avec elle, à la dénonciation. La dame de la rue là-bas, qui vous appelait par la suite Mémé, est morte en 1989. Dans le peu d'affaires qu'elle a laissées à l'hospice des Sables d'Olonne, se trouvait une dizaine de vos livres dédicacés. Sur la première page de votre premier livre, L'enfance de l'art, on peut lire « Pour ma mémé, qui m'y ont sauvé la vie, m'a permis en premier d'écrire ce livre. Baiser, Sarah. » Sur la couverture, vous avez choisi de mettre un dessin de Léonard de Vinci, représentant 2 femmes qui se penchent sur un enfant. Dans votre dernier livre, Rue ordinaire, rue là-bas, vous établissez un parallèle entre le choix de cette illustration et l'histoire de votre enfance. Vous vous reconnaissez dans cet enfant partagé entre 2 mères. Au début, je continuais à vivre avec ma mère, dans sa chambre. Je mangeais la nourriture cachère préparée par ma mère, qui de temps à autre sortait à ses risques et périls pour tenter encore d'en trouver. Mais très vite, Mémé déclara que la nourriture de mon enfance était pernicieuse pour la santé. J'étais pâle, lymphatique, il fallait me changer de régime. C'est elle qui désormais allait s'occuper de moi. De toute façon, ma mère ne pouvait guère sortir et je devais pouvoir continuer à prendre l'air. On demandait rarement les pièces d'identité d'une enfant.
et elle me ferait passer pour sa fille. Les mots croisés étaient une de ses occupations favorites. La rousse en main, je devins vite très forte à mon tour. Nous écoutions aussi en permanence de la grande musique. Et elle m'initia à Beethoven, qui était sa passion. La TSF était toujours allumée. Je la revois encore, tapant sur le poste pour chasser les parasites. Je n'avais pas le temps de m'ennuyer ni de penser trop à ma mère qui ne participait en rien à notre vie. Le quartier était plein de juifs. Presque toutes les nuits, nous étions réveillés par des cars de police venus faire des descentes. Cette fois, c'est pour nous, pensions-nous. L'angoisse redoubla avec les bombardements. Il fallait, en pleine nuit, descendre dans la cave ou dans le métro, sans pouvoir dissimuler notre présence au collabo de l'immeuble. Peu à peu, Mémé opéra en moi une véritable transformation. Elle me changea de coiffure. Ma mère avait fait couper mes cheveux assez courts, à la garçonne, car j'avais attrapé des poux à l'école. Mes cheveux avaient repoussé, mais ne bouclaient pas. Mémé me fit deux petits rouleaux au sommet du crâne et me mit sur la tête un joli ruban de velours noir. Elle m'habilla aussi tout autrement. J'étais jusque-là plutôt mal vêtue, car nos vêtements provenaient d'organismes d'entraide. Mémé me fit des vêtements sur mesure. Ma mère supportait de plus en plus mal la situation, la jugeait malsaine, mais ne pouvait évidemment rien dire. Elle tolérait surtout très mal la tendresse que me manifestait Mémé, qu'elle estimait excessive. Pourquoi m'embrassait-elle si souvent, au lever, au coucher, à la moindre occasion? Jour de la fête des mères. Je prends l'argent de ma tirelire et pars seule rue Custine acheter des cadeaux pour les deux femmes. Une résille et un peigne, je crois. Je prends aussi deux cartes postales. J'hésite à maman. Et je choisis pour m'aimer la première, celle des deux que je trouve la plus belle. J'ai honte et je me sens rougir dans la boutique. Mon choix vient bel et bien d'être fait. Ma préférence déclarée. Vous avez dit que le choix du titre « Rue ordinaire, rue là-bas » s'était imposé comme une évidence et que désormais, il s'en est pour vous la rue ordinaire. Et la rue là-bas, au loin, l'autre, comme le passage à l'autre. À son insu ou non, Mémé avait réussi ce tour de force. En présence de ma mère, me détacher d'elle, et aussi du judaïsme. Elle avait assuré notre salut, mais n'était pas dépourvue de préjugés antisémites. Elle m'apprit que j'avais un nez juif en me faisant palper la petite bosse qui en était le signe. Elle disait « La nourriture juive est nocive pour la santé. Les juifs ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont avares et n'aiment que le pognon. Sic. Ils sont très intelligents. Aucun autre peuple ne possède autant de génie en musique et en philosophie. » Et elle me citait Spinoza, Bergson, Einstein, Marx. C'est dans sa bouche et dans ce contexte que j'entends pour la première fois ces noms qui me sont aujourd'hui si familiers. Ma mère souffrait en silence.
Pas de nouvelles de mon père, pas moyen de rendre visite à mes frères et sœurs, aucun pouvoir d'empêcher Mémé de me transformer, de me détacher d'elle et du judaïsme. J'avais, semble-t-il, enterré tout le passé. Je redoutais maintenant la fin de la guerre. Un jour, toutes les cloches de Paris se mirent à sonner ensemble. Le lendemain, nous allâmes à pied jusqu'aux Champs-Élysées voir le défilé. C'était la libération de Paris. Et celle de ma mère. Elle allait pouvoir enfin sortir, revivre, reprendre avec elle tous ses enfants, revoir peut-être son mari. Elle était libre, enfin, mais sans le sou et sans appartement. Ma mère n'avait plus que haine et mépris pour celle qui nous avait sauvé la vie. Mieux valait aller vivre à l'hôtel plutôt que de continuer à cohabiter une seconde de plus avec elle. Ce fut un véritable déchirement. Du jour au lendemain, je dus me séparer de celle que j'aimais maintenant plus que ma propre mère. Vos frères et sœurs ont du mal à accepter votre livre. Votre mère les a tous sauvés en les cachant à la campagne. Ils ont passé la guerre séparés les uns des autres, sans nouvelles d'elle. Vous étiez la seule à la voir près de vous. J'ai compris qu'ils vous reprochaient de vous être détachée de votre mère. Ils n'admettaient pas votre indépendance, votre préférence pour l'autre. Je refusais de manger et passais mon temps à pleurer jusqu'à ce que ma mère consentît à me laisser retourner voir Mémé. Une heure par jour, décréta-t-elle, pour m'habituer à la séparation, mais pas plus. Si je prolongeais de quelques minutes, j'étais accueillie à coups de martinet. Je fus très vite couverte de bleu et me mis à détester ma mère. La vie à l'hôtel avec elle devint intolérable. Échappant à l'attention de ma mère, je décidai pourtant d'aller et de rester chez Mémé. Celle-ci ne demandait que ça, me garder. La loi exigeait pourtant que je revinsse chez ma mère, et celle-ci le savait. Aussi inventa-t-elle un procès à Mémé, qui se déroula devant un tribunal FFI, improvisé dans le préau d'une école. Mémé y fut accusée d'avoir tenté d'abuser de moi et d'avoir maltraité ma mère. Je ne comprenais pas très bien ce que celle-ci voulait dire par le terme « abuser », mais j'étais persuadée qu'elle mentait. J'étais outrée de l'avoir accusée faussement, celle à qui nous devions de n'être pas morte et que j'aimais si fortement. J'accusais à mon tour ma mère en exhibant devant le tribunal mes cuisses couvertes de bleu, et je parvins à apitoyer l'auditoire. Le tribunal FFI décida de me confier à Mémé. Je ressens un étrange malaise. Sans comprendre pourquoi, je ne me sens ni triomphante, ni parfaitement heureuse, ni tout à fait rassurée. Comme si je venais de commettre un crime, comme si j'étais de nouveau recherchée. Je l'étais effectivement. Au cinquième étage de la rue là-bas, ma mère, accompagnée de deux hommes, était sur le palier. Ils m'arrachèrent violemment à Mémé, me portèrent dans leurs bras, jusque dans la rue. Je me débattais, criais, sanglotais. Au fond, je me sentais soulagée. L'histoire ne se termine pas là. Malgré tout, vous continuez à voir Mémé. Vous passez des vacances avec elle. Elle vous donne des livres. Elle est la seule à vous encourager dans vos études.
Je n'ai pas retrouvé chez vous des photos de vous avec votre mère. Par la suite, vous voyez assez peu les deux femmes. Vous trouvez votre propre voie dans l'enseignement et l'écriture philosophique. Vous publiez une trentaine d'ouvrages. Une trentaine de livres comme remède à la détresse. La philosophie, seule réponse au désespoir, comme vous le dites dans l'essai « Comment s'en sortir ». Dans Rue Ordinaire, rue là-bas, votre dernier livre, vous avez décidé d'affronter votre propre histoire. J'ai senti en le lisant votre difficulté, la douleur de faire revivre la détresse de cet enfant de 8 ans. Pensiez-vous vous en libérer? Pensiez-vous qu'en l'écrivant, elle deviendrait de l'histoire ancienne ?